Normalement, c'est bon. On va dire que ça bougera pas. Truc. Bon, bah bonjour à tous. Alors moi, on m'avait dit que c'était du soutien pour ceux qui passent le rattrapage et que vous seriez 14. Je me sens un peu arnaqué. Qui passe le rattrapage là? Ok, d'accord. Donc tous les autres, c'est des. C'est vous êtes tous en flip pour le partiel. Très bien. Donc on a dû vous faire passer le mot. L'idée, c'est de faire un échange pendant 2 heures de questions-réponses. Donc je ne doute pas que vous avez des questions à me poser. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tour un peu des questions spécifiques. On va essayer de regrouper ça un peu par thématique et puis on verra après comment on répond à tout ça de manière la plus générale possible. Le but, évidemment, n'est pas de refaire un cours condensé en 2 heures parce que ça passera pas, mais d'essayer, voilà, s'il y a besoin de refaire quelques points du cours, bah, ma foi, on les refera. S'il y a besoin de remontrer des exemples sur le notebook, on le refera. Mais bon, voilà, le but n'est pas de refaire du cours, c'est vraiment de répondre aux questions. Donc, bah, je vous écoute. Alors, première question auquel je vais déjà répondre. Non, il n'y a pas d'anal et non, il n'y a pas d'exercice type. Pour la simple et bonne raison que pour ceux qui vont passer, ceux qui sont en rattrapage là, cette année, bah, le format c'est le même que l'année dernière. Donc c'est du QCM, c'est pareil. Les questions sont similaires, si ce n'est identique pour certains trucs, parce que bah, quand je vous demande définition d'une formule, elle n'a pas changé d'année sur l'autre. Donc c'est pour ça que je ne donne pas le sujet du partiel l'année dernière. Mais l'esprit est exactement le même que ce que j'avais demandé. Donc voilà, donc il n'y a pas de partiel blanc. J'ai pas un pool de questions qui est suffisamment étendu pour pouvoir faire un partiel blanc et derrière avoir des questions qui sont suffisamment différentes de ce partiel. Donc, voilà. J'écoute vos questions. Oui. Alors, on va faire un petit point sur ce qu'on va dire formule essentielle. Okay. D'autres questions? Ouais. Ouais, introduit. Alors oui, c'est deux partiels différents. Tout simplement parce que en IMASI, Elodie n'est pas allée aussi loin que ce que moi j'ai fait en Asie. Donc je ne sais pas, tu es quel cours toi? Introduction. Ok, introduction. Vous avez juste corrélation convolution. Donc quand je vais me mettre à parler transfert de Fourier et tout ça ne te concerne pas. Oui. Table de Blanchefelle. Ouais. Ouais. Donc, théorème de Plancherel, on revoit Bernstein. Ouais. Ouais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand tu augmentes d'un bit en quantification, tu gagnes 6 dB en rapport signal sur. Ok. Ouais.
L'intercorrélation. Ok. Oui. Ouais, alors on en a fait un en cours et c'est le seul que je vous demande de connaître. Mais on peut au moins le refaire en deux lignes. Donc on va englober ça dans les formules essentielles. Ouais. Partie quantification. Alors pour ceux qui passent le rattrapage, on ne l'a pas fait l'année dernière. Donc je vais vraiment la mettre en toute fin, si jamais il nous reste un petit peu de temps. Alors qu'est-ce qui bloque sur la quantification? Ok, d'accord. Donc c'est pourquoi en fait. Ok. Ouais. Intercorrélation. Ok. Ouais. Alors bien fort parce que sinon je vais pas entendre. Ouais. Ok. Bah en fait la réponse est vite fait. En pratique on s'en sert pas. Parce qu'en pratique on fait des transformées de Fourier et pas des séries de Fourier. Mais c'est une propriété quand même. On peut la revoir effectivement. Juste voir ce que ça nous dit. Ça nous fait déjà un bon coup. Ouais, encore une. Ok. Bah en fait, ce qui va concerner juste l'IMASI, c'est ça. Ouais, vous avez échappé au pire. Et puis bah, les formules essentielles du début qui vont vous concerner, mais à partir du moment où on va commencer à parler de Fourier, ça ne vous concerne plus. On part là-dessus pour le moment? Ok. Bon, donc je suis désolé pour les imazis parce que je vais être obligé de raconter beaucoup de choses qui au final ne vous concernent pas pour le partiel. Mais voilà, j'essaierai quand même de focaliser un peu sur les trucs qui vous concernent aussi. Comment on va faire ça? Ouais, on va faire ça comme ça. Je vous rappelle un truc. Le but de ce cours, à la base, c'était de répondre à la question toute bête qui est pourquoi est-ce que le son est échantillonné à 44,1 kHz? Tout ce qu'on a fait ensemble, c'était pour répondre à cette question.
Donc le but de ce cours, c'était de répondre à la question fondamentale de l'échantillonnage, autrement dit, avoir une démonstration du théorème de Shannon. Pour avoir cette démonstration, on a besoin de deux outils. On a besoin de savoir ce que c'est que la convolution. Et on a besoin de savoir ce que c'est que la transformée de Fourier. Pour arriver à la convolution, on est passé par l'étape de autocorrélation et intercorrélation. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que au niveau de la motivation, donc c'était l'exemple avec le ciel radar et l'écho qu'on cherchait à mesurer, c'était a priori un exemple suffisamment visuel et qui devait plus ou moins vous accrocher. Et puis, pour comprendre un peu ce qui se cache derrière la transformée de Fourier, qui est quand même un outil extrêmement puissant et complètement fondamental pour les disciplines en lien avec le traitement du signal, on a fait une première étape qui était les séries Fourier. Toc. Dans chacun de ces blocs, il y a des définitions, il y a des formules fondamentales, il y a des propriétés, et il y avait au moins un exemple à la craie, et j'essayais de faire des exemples un peu plus exhaustifs sur le notebook. Donc on va voir tout ça, donc ça va me permettre de répondre au premier point, à savoir quelles sont les formules essentielles, quelles sont les formules fondamentales qui structurent ce cours. Pour définir ces deux choses, ces deux quantités-là, on va manipuler des intégrales qui sont définies sur R, donc qui sont potentiellement indéfinies en fonction des signaux qu'on va chercher à intégrer. Et pour éviter d'avoir des cas pathologiques, donc des cas où ça ne marche pas, on a besoin de restreindre les signaux qu'on va étudier. Et donc ça nous a amené à la définition de l'énergie d'un signal. Et l'énergie d'un signal, donc, l'énergie d'un signal, qu'est-ce qu'un signal? Le violet, c'est pas forcément celle qui marche le mieux. Un signal, R ou C, dans tout le cours, un signal, ça a toujours été une certaine fonction que l'on a définie comme dépendante d'une seule variable que j'ai tout le temps appelée t, qui pourrait correspondre au temps, mais pas nécessairement. Une variable qui est continue, donc qui est définie sur r, et qui, en tout point, le signal nous donne une valeur qui est soit un nombre réel, c'est le cas dans la majorité des signaux physiques qu'on va étudier, mais la valeur peut aussi être complexe, c'est le cas notamment quand on fait de l'imagerie radar. Voilà, donc pour définir tous ces blocs-là, on ne va pas se restreindre uniquement à des signaux qui ont des valeurs qui sont réelles, mais on va aussi étudier les signaux à valeur complexe. Donc un signal, c'est ça, c'est une fonction mathématique. L'énergie d'un signal, donc première formule fondamentale, l'énergie d'un signal, ça a été défini comme cette quantité-ci. On prend notre signal, on en prend le module, on le met au carré, et on intègre cette quantité-là quand la variable t varie sur r. Cette chose-là, donc r, je vais réécrire de moins l'infini à plus l'infini, cette chose-là, soit c'est une quantité qui est finie, soit c'est une quantité qui est infinie. Ouais. Ça, c'est pour les séries Fourier. On n'est pas dans le même espace que dans ce cas.
Donc ça, c'est soit fini, soit infini. Si E de x est une quantité qui est finie, bah on va dire que le signal est d'énergie finie. Et ça, mathématiquement, c'est l'espace des fonctions qui sont de carré intégrable sur R, et ça se note L2 de R comme ça. Et pour pouvoir définir l'autocorrélation et l'intercorrélation, on a besoin de se placer dans cet espace-là. On a besoin de travailler avec des signaux qui sont d'énergie finie. Si je prends un signal, je calcule cette quantité, j'ai un résultat qui est infini, je ne peux pas définir l'autocorrélation de ce signal et l'intercorrélation de ce signal avec un autre. Si maintenant mon énergie est finie, j'ai le droit de définir ce qui s'appelle la fonction d'autocorrélation. Deuxième formule fondamentale, oui. Oui, c'est L carré. C'est un taux. Oui, c'est un taux. En fait, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler U, enfin, on s'en fout, quoi. C'est x de t moins taux. Avec le module sur le deuxième. C'est ça? Ça, c'est un taux. Et ça, c'est un grand gamma. Ouais, j'ai un problème avec l'alphabet grec. Ouais, ça, c'est un truc comme ça. Donc, deuxième formule fondamentale. Définition de l'autocorrélation. Cette chose-là, qu'est-ce que ça représente? Cette quantité-là, donc c'est un nombre, d'accord? C'est l'évaluation d'une fonction en un point, donc c'est un nombre. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, alors, si je laisse tomber le conjugué ici, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la similitude entre x de t, donc ma fonction telle qu'elle est, ça, on va dire que c'est x de t. Et ça, x de t moins taux, qu'est-ce que c'est? C'est mon signal que je retarde d'un facteur taux. D'accord? Je le décale, si taux vaut 5, ben, ce graphe-là, je le décale de 5 unités. Ouais. Le xx, ouais. Cette quantité-là, ça mesure la similarité entre le signal lui-même et le signal retardé d'un facteur taux. Ce facteur taux, bien évidemment, je peux le régler comme je veux, d'accord? Donc, je peux très bien dire que taux égale 0. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je mesure la similarité du signal contre lui-même. Et puis, je peux prendre n'importe quelle autre valeur. Si taux est positif, ben, je retarde mon signal, donc je l'envoie par là vers la droite. Si taux est négatif, j'envoie mon signal vers la gauche, je l'avance. Et au final, le résultat de cette opération, c'est une mesure de similarité. Et on a vu dans le cours que, en fait, cette quantité-là, ça s'exprime comme un produit scalaire. Enfin, c'est un produit scalaire. Et produit scalaire, vous savez que produit scalaire de deux vecteurs, ça mesure la similarité entre deux vecteurs. Oui.
Ça, c'est l'intégrale sur R de x de t fois le conjugué de x de t moins 2. Ouais. Ben, le déphasage, c'est cette courbe-là, l'autocorrélation en un point, comme ça, c'est un nombre, et ça mesure, c'est une mesure, c'est une espèce de distance. Alors, c'est pas tout à fait une distance parce que ça peut être négatif, mais c'est une espèce de distance entre le signal quand tu le touches pas et le signal quand tu le retardes. Ça, c'est exactement la même chose que je prends un vecteur. X, d'accord. Et on vous dit de quel vecteur est-ce que celui-là est le plus proche? Est-ce qu'il est plus proche de celui-là? Est-ce qu'il est plus proche de celui-là? Ou est-ce qu'il est plus proche de celui-là? Bon, bah là, intuitivement, vous avez envie de dire le vecteur blanc est plus proche du vecteur bleu parce qu'ils pointent tous les deux dans la même direction. D'accord? Le vecteur blanc, il est orthogonal au vecteur orange, donc une similarité qui va être 0. Et puis le vecteur blanc, il pointe dans une direction opposée que le vecteur jaune, donc j'ai envie que la similarité soit négative. Bah, ça se modélise par un produit scalaire. Ça, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de regarder la similarité d'un vecteur avec un vecteur qu'on aurait fait tourner, on regarde la similarité d'une fonction avec une fonction qu'on a transfaite. Voilà. Alors, l'intérêt de mesurer la ressemblance entre un signal et lui-même retardé est relativement limité en pratique, même s'il y a un certain nombre de propriétés assez sympathiques de cette chose-là. En pratique, on ne se sert non pas de la fonction d'autocorrélation, mais de la fonction d'intercorrélation, où on ne regarde pas la similarité entre un signal et lui-même retardé, mais on regarde la similarité entre un signal et un autre signal. Donc, deuxième formule fondamentale ici. La fonction d'intercorrélation. On est toujours dans le cadre de signaux d'énergie finie. Sinon, on n'a aucune garantie que cette intégrale est finie. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Exactement la même chose que pour l'autocorrélation, sauf que la forme du signal bleu, bah, c'est plus forcément la même que la forme du signal blanc. Je viens ici mesurer la ressemblance entre mon signal X et mon signal Y qui a été retardé d'un facteur tau. Et ce facteur tau, ben, je le fais varier comme je veux. Ouais. Ouais, tout à fait. En fait, ça, c'est vrai, quelle que soit la valeur du retard que tu mets. D'accord? Donc ce retard, tu peux le mettre positif, tu peux le mettre négatif et tu peux le mettre égal à 0. Ça, c'est. Le taux, il est défini comme tu veux. D'accord? Ce n'est pas un point donné, c'est une variable qui est définie sur R. Donc tu vas calculer avec cette fonction d'intercorrélation, tu vas calculer la ressemblance entre ton signal X et toutes les versions retardées ou avancées du signal Y. D'accord? Ouais. Non, l'autocorrélation est un cas particulier d'intercorrélation. L'autocorrélation, oui, tout à fait. Alors, quand est-ce qu'on sert de ce bidule-là? On sert de ce bidule-là en pratique quand on veut faire une détection de motifs. On avait fait un exemple, alors on va le reprendre. Il faut juste que je me souvienne de ce que j'avais fait. On va mettre. Ouais, ok, d'accord, pas forcément. On va reprendre en deux mots
Cet exemple, ouais, c'est peut-être un peu violent ça. Donc, exemple typique, on va servir de l'intercorrélation entre deux signaux, c'est quand on veut détecter un signal, un motif connu, dans un signal de forme inconnue. L'exemple ici, c'est vraiment le cas du radar. Vous envoyez une onde comme ça, d'accord? Donc, c'est une onde électromagnétique qui part dans l'espace, elle va être réfléchie contre un objet, elle va revenir. L'émetteur qui fait aussi récepteur va capter un écho, d'accord, qui sera a priori distordu parce que l'onde a voyagé dans l'air, mais dont la forme devrait rester suffisamment caractéristique de ce qu'on a envoyé, avec un décalage qui est inconnu évidemment, puisque ça dépend de la distance entre l'émetteur-récepteur et l'objet. Et le but ici, c'est de trouver la distance à l'objet. D'accord? Donc, comme je connais la vitesse de propagation de l'onde, si je suis capable de mesurer le temps qui a été nécessaire pour faire l'aller-retour, je suis capable d'en remonter à la distance. D'accord? Donc, dans cet exemple, on a envoyé ça, on a récupéré ça, on aimerait connaître le délai entre le signal envoyé et le signal reçu. Alors, là, dans un cas comme ça, on pourrait dire, on va peut-être lisser un peu le signal et puis on va regarder quand est-ce que le premier maximum apparaît, on pourrait faire des trucs un peu comme ça. Mais, si on se donne un écho qui ressemble à ça, et encore là on le voit trop. Je vais mettre un sigma égal 2, comme ça, pof. On a envoyé ça, on a reçu ça, là comme ça, bon courage pour essayer de mesurer l'écho. Il s'avère qu'avec l'intercorrélation, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais revenir à 0.1. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce truc-là, de combien à peu près est-ce qu'il faut qu'on le translate pour qu'il vienne se superposer à ce truc-là. D'accord? Donc, ce truc-là, on aurait envie de dire, en gros, il faut que je le décale à peu près de 8 vers la gauche. Et si je décale de 8 vers la gauche, la ressemblance sera maximale avec le signal de référence. D'accord? Ouais. On cherche tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'intercorrélation entre ça et ça. L'intercorrélation, ça va nous donner la ressemblance entre celui-là et tous les retards et les avances possibles de celui-là. Et derrière, on cherche l'endroit où l'intercorrélation est maximale. Puisque l'intercorrélation maximale voudra dire que ce truc-là sera venu se superposer à ce truc-là. D'accord? Donc on calcule l'intercorrélation entre ces deux signaux. Alors il faut que je redescende un peu. Bon, voilà. On va le prendre ici. 0,1, c'est très bien. On calcule l'intercorrélation entre mon signal de référence et mon signal entre guillemets inconnu où je cherche le motif de référence. Ça me donne cette forme-là et je viens chercher le retard. Vous voyez, le retard, il est ici en moins 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce truc-là, il faut que je le décale de moins 6, autrement dit de 6 vers la gauche, pour qu'il se superpose au mieux à ce truc-là. Ouais. La question c'est est-ce qu'il y a l'un ou l'autre, c'est ça? Il peut y avoir les deux, effectivement. Je peux vous donner une intercorrélation comme ça, une forme un peu pas forcément aussi simple que celle-là, mais quand même il y a un maximum, vous dire quel est le retard correspondant. Ou je peux vous donner deux signaux comme ça et vous dire, soit éventuellement calculer très grossièrement la forme de l'intercorrélation, ou dites-moi où va situer le retard. C'est typiquement le genre de question effectivement qui peut tomber. Ouais. 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 Elle nous a envoyé ça. C'est? Non, c'est une variable. C'est une variable, c'est une fonction. Ça, c'est ça tracé pour tous les taux. En un taux donné, pour un retard donné, tu as un nombre. Mais ton retard, tu peux le faire varier. Ici, oui. Là, j'ai calculé cette quantité-là pour tous les retards entre moins 15 et 15. Et quand je le trace, ça me donne ce graphe-là.
C'est moins le retard. C'est moins le retard. Ouais. Tu cherches le max. Enfin, tu cherches là où se passe le max. En l'occurrence, ici, c'est là, moins 5,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est retardé de 5,5 par rapport à ça. Ouais. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors là, c'est pour l'exemple, mais en physique, oui, parce que tu envoies une onde avec une certaine énergie, tu en as une partie qui va se disperser dans la nature, donc le signal que tu vas récupérer, il est forcément d'énergie moindre. Donc là, c'est effectivement, c'est tout à fait normal. Ouais. Ouais, tout à fait. Parce que cette quantité-là, ce signal-là, il faut que je le décale de moins 5 pour le faire superposer au mieux à ce chose. D'accord? Donc puisqu'il faut que je décale celui-là de moins 5, c'est que celui-là, il est retardé de 5. Moi, je cherchais le retard, donc 5. Voilà. Autocorrélation, intercorrélation, c'est bon? Non, question encore? Alors, non, l'autocorrélation, tu peux calculer l'autocorrélation d'un signal quand tu veux. Ça va te donner un certain nombre de propriétés, ça va te donner la valeur de l'énergie, enfin ça va te donner des propriétés théoriques du signal, mais en pratique, ce dont tu te sers, c'est l'intercorrélation. Parce que quand tu es dans un cas où tu veux détecter un motif dans un signal, ben, le motif, c'est l'équivalent de ça, c'est le signal que tu connais, et puis ce dans quoi tu veux détecter ce motif, c'est a priori quelque chose qui est de forme inconnue, et tu essaies de repérer le motif dedans. Donc c'est ce truc-là. Alors parle plus fort. Là, on a juste fait l'intercorrélation, tout à fait. Ouais. En pratique, l'autocorrélation, tu t'en sers jamais. L'autocorrélation, c'était juste un moyen d'arriver à l'intercorrélation. L'autocorrélation est un cas particulier d'intercorrélation, effectivement. C'est une intercorrélation où le signal Y est égal au signal X. D'y aller étape par étape. Voilà. C'est bon là pour autocore et intercore? Ouais. Tout ceci nous a amené à la convolution, qui est une autre opération fondamentale en traitement du signal, c'est l'opération qui est derrière tout le filtrage. Donc quand on va parler de filtrage passe-haut, quand on va parler de filtrage passe-bas ou de ce genre de choses, l'opération mathématique qu'il y a derrière, c'est toujours une convolution. Donc autre formule fondamentale à connaître, évidemment, la définition de la convolution. Alors ça se ressemble par rapport à l'intercorrélation. J'ai encore une intégrale. J'ai un produit de mon signal X avec mon signal Y où j'ai un truc qui est apparu à l'intérieur. C'est pas tout à fait pareil. J'ai pas le conjugué ici et là où j'avais T moins tau en haut, j'ai tau moins T en bas. Mais la forme est la même. Sauf que l'interprétation n'est pas la même. Ouais. Ouais. Alors le conjugué, en fait, il est là si tes signaux sont à valeur complexe. D'accord? Si ton signal est à valeur réelle, c'est quoi le conjugué d'un nombre réel? C'est lui-même. Donc on peut le faire sauter. À partir du moment où x et y sont à valeur réelle, on peut faire sauter le conjugué. Par contre, si on manipule des nombres complexes, on est obligé de garder le conjugué. Ouais. Alors les valeurs complexes, ça n'a pas tant d'importance
d'intérêt que ça, parce que de toute manière, pour la représenter, je vais être obligé de te montrer soit le module et la face, soit la partie réelle et la partie imaginaire, vu que je ne peux pas afficher des nombres complexes comme ça. Donc, déjà, si vous avez compris ce qui se passe avec des fonctions réelles, c'est déjà bien. Alors, on va essayer, on va regarder un peu ce qui se passe avec cette convolution. Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse ? Alors, je vais annoter la convolution ici. Bon, j'ai pas besoin d'effacer en fait. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Où est-ce qu'il est mon bille ? Où est-ce qu'il est mon bousin ? Il est là. Cette quantité-là, qu'est-ce que j'ai ? Bon, en fait, je vais le refaire à la main. Ça fera pas de mal. Et surtout parce que les notations sont pas tout à fait les mêmes. Et ça, l'interprétation de la convolution, c'est vraiment super important que vous ayez compris ça. Donc je veux calculer la convolution entre deux signaux, x et y. D'accord ? Je cherche cette quantité-là. Ils ont une forme, d'accord ? Qui est ce qu'elle est ? On va faire x comme ça. Et puis on va faire, allez, on va simplifier la vie. On va faire y comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Mon x, ici, je ne le touche pas. Par contre, mon y, j'ai un taux moins t. D'accord ? Avant d'arriver à taux moins t, je vais déjà faire moins t. D'accord ? Mon y de t, je vais le transformer en y de moins t. Donc ça, c'est y de t. Moins t. Je symétrise, en gros, cette chose-là par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord ? Donc là, j'ai mon y de moins t. Donc première étape, mon x encore une fois il change pas. Et puis deuxième étape, dans la formule, c'est pas un y de moins t que j'ai, mais c'est un y de taux moins t. D'accord ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ce truc là, je l'ai décalé de taux. Parce que je dessine une forme facile. Ça peut être n'importe quoi, bien sûr. Ces formes-là, elles sont ce qu'elles sont. Elles dépendent du signal que tu cherches à convoluer, mais oui, là je fais un carré parce que c'est facile, quoi. Ouais. Tout à fait. Alors là, c'est pour un taux en particulier. Et c'est exactement comme pour l'intercorrélation. Taux, il va prendre toutes les valeurs possibles et inimaginables. D'accord ? Donc, en fonction de la valeur de taux, soit on va partir vers la gauche, soit on va partir vers la droite. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors, c'est le premier changement, et puis le deuxième, c'est qu'on n'a pas le conjugué. Mais effectivement, la seule grosse différence, c'est que le t moins taux de l'intercorrélation s'est transformé en taux moins t. Donc, j'ai mon x de t, j'ai mon y de taux moins t. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à faire le produit entre ces deux fonctions. Donc il faut que je fasse le produit entre cette chose-là et cette chose-là. Bon, bah ça va faire, j'en sais rien moi, quelque chose comme ça, parce que là où mon signal orange ressemblait à ça, mon signal bleu, il ressemble à ça.
Donc je fais le produit de ces deux quantités et j'en calcule l'air. D'accord? J'intègre cette chose-là. Et ça, c'est le résultat de la convolution pour cette valeur-là. Bien évidemment, quand taux change, bah, ce truc-là, soit je vais le mettre ici, soit je vais le mettre ici, soit je vais le mettre ici, soit je vais le mettre ici. Donc, en gros, quand je vais faire changer taux, ma fonction-là, bah, elle va se balader ici. Et qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais faire le produit de mon signal qui est resté fixe avec ce truc-là qui se balade. D'accord? J'en fais le produit, je calcule l'intégrale et ça donne le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en gros? Ce truc-là, ça, je vais considérer que c'est une fenêtre d'observation. Et puis, je vais regarder ce signal quand la fenêtre d'observation, elle se balade sur l'axe ici. D'accord? Donc, si ce truc-là, ma fenêtre d'observation, je la mets là, là, j'ai que du 0, bah, ma convolution, elle vaut 0. Et puis, quand je vais venir intersecter, en gros, ce signal par ma fenêtre, je vais voir quelque chose et ça va me donner une convolution qui va être non nulle, quoi. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je regarde ce signal à travers ce signal. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais une moyenne pondérée de ce signal quand la pondération, c'est ce signal. Donc, c'est une extension de la moyenne pondérée. Oui. Oui. Alors, et c'est ça qui est beau, c'est que pour la convolution, ça commute. Donc, en fait, j'ai envie de te dire les deux. Soit tu considères que c'est ce signal observé par cette fenêtre-là qui se balade, soit tu considères ça, c'est celui-là qui reste fixe et tu regardes ce signal quand cette fenêtre se balade. Ouais. Alors, il y avait une autre question là-haut, je crois. Ouais. Elle sera? Ouais. Ouais. Pas forcément. Ouais. 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 Ouais, tout à fait. Ouais. Bien sûr. C'est pas qu'on perd le signal, c'est juste que cette chose-là, ça peut être aussi compliqué que tu... En fait, bon, une moyenne pondérée, tu vois ce que c'est, a priori. D'accord? T'as des valeurs et t'as des coefficients de pondération. D'accord? Ces coefficients de pondération, tu peux les définir comme tu veux. Tu peux définir de donner plus ou moins de poids à certaines valeurs. D'accord? Tu peux dire que toutes tes valeurs ont le même poids. C'est exactement ce que je viens de faire là. Mais tu peux très bien dire que certains poids ont plus de valeur que d'autres. Bah, dire que certains poids ont plus de valeur que d'autres, ici, ça revient à dire que ta fenêtre d'observation, bah, elle va avoir des endroits où elle va être très importante et d'autres où elle va être moins. D'accord? Donc non, t'as aucune restriction à ce que cette chose-là soit de forme simple. D'accord? Il y avait, ouais. C'est une définition. C'est une définition. Définition de la convolution, c'est cette chose-là. Ouais, bah ça, ouais. Ouais. Ça change rien. Mais tu n'as aucune garantie que ta fonction est là. Ouais. C'est le décalage, tout à fait. Oui. Ouais. Ouais. Bah c'est. Bon, alors là, j'ai encore un carré, évidemment. Mais oui, là, la forme, elle est ce qu'elle est. C'est une fenêtre d'observation. C'est vraiment le coup de. Tu as des nombres, tu les pondères et puis tu vas pondérer plus fortement ceux du milieu que ceux des côtés, par exemple. Voilà. Ouais. Alors voilà, à quoi sert la convolution de deux signaux? Donc je vous ai dit que l'intercorrélation, ça servait quand on voulait faire une détection de motif, par exemple. La convolution, ça sert quand on fait du filtrage. Quand tu vas faire du filtrage, tu vas avoir un signal que tu vas vouloir filtrer. Donc par exemple, tu veux couper les hautes fréquences. D'accord? Si on parle de son. Couper les hautes fréquences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire définir un filtre qui va laisser passer certaines fréquences et qui va en couper d'autres. Et mathématiquement, ça, c'est la convolution de ton signal avec ton filtre. Donc, on va reprendre l'exemple qui était là.
J'envoie ça, je récupère ça, je cherche à revenir ici. Qu'est-ce que je vais faire en traitement du signal? Je veux couper les hautes fréquences. D'accord? Là, mon signal, il varie beaucoup plus rapidement que celui-là. D'accord? Donc, j'ai envie de restreindre la vitesse de variation du signal en quelque sorte. Qu'est-ce que je fais? Je définis un filtre qui va me permettre de lisser cette chose-là et j'en fais la convolution. Et ça, ça donne le truc. Ouais. Le filtre, c'est? Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Alors pourquoi il y a un moins? Parce que tu vois bien que celui-là, si je veux le ramener là-dessus, il faut que j'envoie vers la gauche. D'accord? Donc il faut que je l'avance. Il faut que je l'avance. Avancer un signal, décaler vers la gauche, c'est mettre un truc positif. Ok? Et l'autre truc qui est remarquable avec la convolution, c'est que ça commute. C'est-à-dire, regardez le signal bleu ici à travers le signal rouge. Donc, fixer le bleu et faire balader le rouge ou il change de couleur. Donc, regardez en gros l'exponentielle décroissante à travers la porte ou regardez la porte à travers l'exponentielle décroissante, c'est la même chose. Donc, la convolution, c'est quelque chose qui commute. Et puis, allez, on peut se remettre le film. Donc, pour expliquer en deux mots, intercorrélation. Je veux calculer l'intercorrélation de cette chose-là avec cette chose-là. Qu'est-ce que je fais? Ce signal-là, je le retarde et je l'avance à chaque fois et je calcule la similarité entre celui qui est resté fixe et celui que j'ai fait décaler. On y va. Donc, lui, il reste fixe. Lui, il se balade. Et puis, pour chaque valeur du décalage, je calcule l'intégrale du produit. Et ça me donne un nombre qui est représenté ici en fonction du décalage. Et puis, pour la convolution, je fais pareil. Sauf que avant de faire glisser ma fenêtre d'observation, bah, je la retourne. En fait, donc ça c'est le lien entre les deux. T'as cette formule. Si mes signaux ils sont à valeur réelle, alors le lien entre convolution et corrélation, c'est ça. La corrélation, c'est la convolution de x avec y que j'ai juste symétrisé. Donc si effectivement cette chose-là est paire, bah, le retourner par rapport à l'axe des ordonnées, c'est lui-même. Et dans ce cas, corrélation et convolution sont la même chose. Ouais. Ouais. Alors quand tu convolues par une porte, tu fais du filtre passe-bas, tu coupes les hautes fréquences. J'y réponds après, parce que c'est une interprétation qui est plus axée filtrage et je pense que ça ne concernera pas tout. Donc. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, tu le calcules. Il faut faire le calcul. Tu n'as aucun moyen de... Il faut faire le calcul. Bon, alors je vois qu'on a déjà passé une heure et qu'on a fait un quart de la question 1.
Bon. Donc on va, je vais accélérer un petit peu, je vais vous donner les autres formules que je considère essentielles. Ouais, bah, à partir de maintenant. Alors, pour... Ouais, c'est une question? Imazi, c'est fini. Ouais. Hein? En Imazi? Non, vous l'avez pas, le Guirec. Alors vous l'avez vu, mais c'est... Ouais, mais c'est pas essentiel. Non, pour Imazi. Ouais, donc pour Imazi, c'est les formules essentielles que vous allez connaître, à savoir énergie, intercorrélation, autocorrélation et convolution, et puis l'interprétation de ces choses-là. Et en plus de ça, elle vous a fait un petit calcul de convolution à la main sur des matrices, c'est ça? Voilà. Donc, ouais, c'est. Si elle a fait les choses correctement, c'est marqué sur l'énoncé. Et sinon, bah, tu le justifies, oui, tu fais le choix et puis tu le justifies. Au revoir. Vous aurez normalement la suite, tout ce qui est Fourier. Alors Jonathan vous en a fait un petit peu. L'idée c'était quand même que vous alliez jusqu'au théorème de Shannon. Et donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais normalement vous allez avoir des séances OS6 pour... Ouais. Alors, ça ne sera pas un électif, mais... Alors, c'est pas moi qui suis en charge de ça, donc je peux pas te répondre avec certitude, mais il me semble que vous aurez des séances de rattrapage pour quand même voir tout ce qui est analyse harmonique et théorème de Shannon. Peut-être pas de manière aussi poussée que ce que moi j'ai fait en Mazzi, mais vous aurez quand même les notions. Donc, normalement, ça ne doit pas impacter sur le choix du majeur. Parce que c'est dommage que je puisse pas l'arrêter en fait. Mais en gros, où est-ce que l'intersection va être maximale? C'est au moment où tu vois la partie gauche ici de la porte, elle est superposée ici. Pourquoi? Parce qu'après, cette fonction-là, elle décroît. Et comme toi, ce que tu fais, c'est le produit de cette chose-là avec cette chose-là, ce que tu vas voir quand la porte, elle est ici, bah, c'est d'amplitude plus faible que ce que tu vois quand la porte, elle est ici. Donc c'est normal que le produit et ensuite l'intégrale soient plus petits. Ouais. Qu'est-ce que... Non, je vois pas ce que tu veux dire. Tu veux dire ça par rapport à ça? Ça, c'est un truc qui reste fixe. D'accord? Ouais. 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 C'est ça qui... C'est le produit des deux. Et ensuite, tu fais l'intégrale. Donc en gros, c'est la quantité d'overlap entre cette chose-là et cette chose-là.
Alors, normalement, vous avez fait le calcul de cette chose-là aussi. Hein. Ah ouais, mais bah, c'est quand même dans le cours. Hein. Donc, ça a été fait en cours. Hein. Le calcul explicite, il a été fait. Là, tout de suite, non. Non, parce que là, on a fait qu'un quart des trucs. Il faut quand même que je fasse foyer et l'échantillonnage. Donc, non. Ouais, je suis barré à celle-là. Ouais, mais bah, moi j'ai d'autres trucs à faire aussi, quoi. Donc. Ouais, on peut reprendre le calcul, mais en même temps, encore une fois, il a été fait dans le cours. Donc, j'aurais envie de te dire, avant qu'on reprenne le calcul, reprends-le déjà sur quelqu'un qui l'a fait et essaye de le comprendre, toi, quoi. Toi, la boucle. Le notebook. Et n'hésite pas à écrire Elodie, hein, c'était ta prof. Alors non, elle a fait plus qu'un cours, c'est juste que tu en as fait un et que les autres n'y es pas allé. Ah bah si, elle a fait plus qu'un cours. Hein. Non? Attends, t'es en chaîne, donc c'est moi que t'as eu alors. D'accord. Autant pour moi. Bah tu vois ça, non, du coup? Ok, bon, bah... Oui, alors donc si c'était moi, oui, tu peux venir me pinguer au LRDE et puis on reprend un quart d'heure pour faire le calcul, y a pas de souci. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi trouver la similitude entre deux signes? Ouais, en quel point est-ce que les signaux sont plus similaires? Ouais, donc quelle est la valeur du retard en gros? A priori, ouais. Oui, c'est l'interpolation. C'est pas que tu prends un taux au hasard, c'est que tu cherches le taux tel que cette quantité-là soit maximale. Ouais, mais tu les prends tous. Et puis tu regardes après Webmax. À la main, oui, si tu veux, oui. Oui, tout à fait. Si, oui, si 30 c'est la valeur max de toutes les valeurs que tu as testées, effectivement l'écart c'est 9. Ouais. Okay. Bon. Allez, on reprend. Bon, alors on revient sur les formules essentielles à connaître. Donc on peut attaquer Fourier et le joyeux monde des séries et de la transformée. Alors sur les séries de Fourier, qu'est-ce que vous avez à connaître? Vous avez à connaître les coefficients, d'accord? Ça, faut le savoir. Ouais. À zéro, oui, merci. Voilà, ça, c'est des formules, il faut les mettre. Est-ce que je peux pas les lire? Ouais. Donc, à zéro, c'est 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de x de t dt. Donc, c'est la moyenne sur une période. AN, c'est 2 sur t fois l'intégrale de 0 à t de x de t fois cosinus 2pi n sur grand t t dt. BN, c'est pareil, ben on remplace le cosinus par un sinus. Et puis c'est n,
1 sur t, intégrale de 0 à t, de x de t, fois exponentielle, moins i, de pi, nt sur t. Ouais. Non. Non. Si tu sais juste la retrouver, ça me va. Non, non, il n'y a pas besoin de connaître la relation entre N et N. Ouais. Oui, y a des, c'est lié. Et comment c'est lié? C'est lié avec les formules de l'air. Alors, je sais plus ce que c'est. Ça doit être Cn égale 1 demi de An moins Ibn, il me semble. Et C moins N, c'est 1 demi de An plus Ibn. Si j'écris N positif. Il me semble que c'est ça. J'ai dû vous les donner dans le cours, mais... Ah ouais, c'est... et du coup, AN, ça doit être CN plus C moins N, je crois. Non, moins C moins N, et BN, ça doit être I. C'est soit ça, soit c'est un plus ici, un moins ici. Ouais, ouais. Donc là, il y a un piège, là, il y a un moins. Ouais, c'est l'inverse, d'accord. Et celles-là sont bonnes, par contre. Ouais, ok. Non, non, le truc à retenir, c'est qu'il y a un lien, évidemment, c'est que soit je fais le calcul avec les coefficients réels, donc je décompose par rapport à sinus et cosinus, soit je fais la décompression par rapport à l'exponentielle, et une fois que j'ai l'un, je sais retourner à l'autre. Enfin, c'est juste ça qu'il faut savoir. Mais le lien explicite, il est pas utile. Hein? Alors, ouais, avant d'arriver à la transformation de Fourier générale, on a un autre truc à connaître ici, c'est le théorème de Dirichlet. N égale 1 à cos. Ouais. C'est moins n. En fait, pourquoi? Parce que quand tu parles avec n et bn, c'est pour n, c'est un entier positif. D'accord? Alors que c, n, il est positif ou négatif. Donc si tu veux faire le lien entre les n, bn et les cn, tu es obligé de différencier les cn pour n positif et les cn pour n négatif, que j'écris c moins n avec n positif. Ouais, tout à fait. Ouais, alors AN c'est de 0 à plus l'infini et BN c'est de 1 à plus l'infini. Ouais. Et toc toc toc. Et donc là, juste en bas, j'ai écrit le théorème de Dirichlet. Ça, oui, c'est un 2, oui. Oui. Ouais. Dirichlet. Oui, je peux l'écrire. N, c'est un entier. Mathématicien, bon. Ouais. Oui, bien sûr. Si vous connaissez les hypothèses sous lesquelles ça fonctionne, je vous en voudrais pas. Mais si déjà vous avez retenu cette égalité-là, je m'en contenterai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ouais. Alors, les questions sur les formules fondamentales? Oui. Les autres? C'est? Comment c'est un cas? Je sais plus ce que j'ai mis comme pondération. Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. Je me réserve le droit de mettre les points négatifs ou ne pas les mettre en fonction de... Bon, on verra ce que ça donne.
Le but, c'est que. Alors, il y a certains trucs pour lesquels j'ai absolument pas envie que vous répondiez au hasard. Donc, ça, je pénalise. Et puis le reste, si vous répondez au hasard, vous avez une chance sur 4 d'avoir juste. En moyenne, ça vous avantagera. Ça vous intéresse. Hein? Non, il y a une partie qui est automatique et le reste, ça non. Hein? Comment perdre des parties automatiques? Parce qu'il y a des questions ouvertes. Ouais. Il y a deux ou trois questions ouvertes. Ouais. Il y a une partie réservée où il y a une question ouverte, vous répondez et en fonction de la satisfaction que j'ai de votre réponse, c'est moi qui mets c'est moi qui cocherai la petite case avant de scanner la feuille. Oui. Non, là, il y a une question qui est intéressante. Enfin, pas que les autres ne l'étaient pas, mais juste. La question, c'est est-ce que ça, c'est pas la définition de la série de Fourier? Non. La partie droite ici, c'est la définition de la série de Fourier. Le théorème de Dirichlet, c'est l'égalité entre le signal et sa série de Fourier. Le théorème de Dirichlet, il te dit que la série de Fourier, cette quantité-là, elle converge vers la bonne valeur du signal. On a des cas où ça ne marche pas. Tout à fait. C'est, il faut que ça soit classé 1 par morceau. Hein? Ça fonctionne quand le signal est de classe C1 par morceau. De classe C1 par morceau. Ça veut dire qu'il a le droit d'avoir des discontinuités, mais autour des discontinuités, la dérivée reste bornée. Ouais. Le petit t ou le grand t? Le petit, c'est la variable temporelle. Le grand t, c'est la période. Et le petit t, c'est la variable. Je pourrais le petit t, je pourrais l'appeler u, ici, on s'en fout. Ça serait même d'ailleurs plus clair que petit t et grand t. Donc ça, faut savoir. Et normalement, si vous savez ça, ben, vous savez la définition de la transversée de Fourier directe et la transversée de Fourier inverse. Donc ça, je le dirai. Parce que ça se ressemble quand même vachement. Non, c'est pas signalé pair. Non. Il y a un truc. Ouais. Ça, c'est défini pour des signaux qui sont périodiques. Les séries de Fourier, c'est pour des signaux qui sont périodiques. Ouais. Pourquoi il y a? Il y a un petit t. Ouais. Il y a un mu et un t. Ouais. Mais tout comme ici, tu as des t et des n sur t. Ouais. Hein? Bah si je vous demande des propriétés de la transformée de Fourier, ouais, c'est que derrière les signaux ils sont pas périodiques. Et en pratique, les signaux ils sont jamais périodiques. En pratique. Ce que tu te sers, c'est la transformée de Fourier, c'est pas les séries de Fourier. Oui. Ouais, oui. Le A0, il est égal à C0. En fait, ici, tes indices, ils vont de 1 à plus l'infini. Ici, tes indices, ils vont de moins l'infini à plus l'infini. Et en 0, le C0, il coïncide exactement avec le A0. D'accord? Tu vois, tu remplaces dans Cn, tu remplaces n par 0. Bah, t'as 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de x de t, ce qui est le A0.
Ça, c'est un nu. Oui. Ah bah non, c'est clairement pas anodin, puisque c'est exactement la même chose en fait. Sauf que ça, c'est défini pour des signaux qui ne sont pas périodiques. Donc ça, c'est un cas général de ça. Ça fait un spectre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, en fait, c'est surtout que quand ton signal n'est pas périodique, ton spectre, il est continu. Mais oui, évidemment, ça, c'est vraiment exactement la même chose que le coefficient CN. Tout comme cette écriture-là, c'est exactement la même chose que la transformée de Fourier inverse. Ici, tu récupères x comme une composition qui est infinie mais discrète des CN fois les exponentielles ici. Là, tu récupères ton x comme une composition continue des x de nu qui était le CN fois l'exponentielle. Donc c'est absolument pas anodin, c'est défini comme ça. C'est la transformée de Fourier, c'est l'extension des séries de Fourier pour des signaux qui sont non périodiques. Ça, c'est un nu. Ouais, c'est un nu. C'est la variable de la transformée de Fourier. Ça, c'est ce que je dessine comme ça. Que vous avez déjà, c'est la lettre nu. Vous l'avez peut-être vu en physique comme ça. Enfin, je sais pas les faire, de toute façon. Je sais pas. J'ai un problème avec l'alphabet grec, de toute manière. Oui. Continue. Oui. Ouais. Une fréquence importante. Ouais. Tout à fait. Oui. C'est la variable qui correspond à la fréquence. C'est la variable de la transformée de Fourier, ça correspond à la fréquence. Attends, déjà vous êtes plusieurs à parler en même temps, donc. C'est? Ouais. Oui, il y a pas de souci avec ça. Alors, ok. Je vais peut-être remettre l'animation, ça, pour comment on passe des séries à la transformée. Ce sera peut-être pas déconnant. Ok, donc c'était ici. Les séries de Fourier, on l'a dit, ça nous donne un spectre, donc les coefficients CN, qui sont discrets. D'accord? Puisqu'ils sont indexés par un entier qui est bon, positif ou négatif, mais peu importe. Les séries de Fourier, ça marche pour des signaux qui sont périodiques. Ok? Donc, mon coefficient CN, quand je regarde dans ma formule ici, mon coefficient CN, il est associé avec une fréquence discrète n sur t. D'accord? CN, il est associé à n sur t, que je vais réécrire n fois 1 sur t. 1 sur t étant la période de mon signal, t étant la période de mon signal, donc 1 sur t étant la fréquence fondamentale de mon signal, donc n fois 1 sur t, c'est le énième harmonique, c'est le énième multiple de la fréquence fondamentale. Donc c'est énième harmonique. Donc coefficient c'est n, sa fréquence c'est n fois la fréquence fondamentale. Si je prends le suivant, cn plus 1, bah, qu'est-ce que c'est sa fréquence associée? C'est n plus 1 sur t. Donc quel est le gap que j'ai entre deux coefficients successifs? Le gap en fréquence, bah, c'est 1 sur t. D'accord? Donc si mon signal il est de période t, les harmoniques, elles sont espacées tous les 1 sur t.
Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ma période T ici, je vais l'agrandir. En gros, je vais prendre mon signal et je vais l'étirer. Puisque je vais faire grandir la période T, je vais faire diminuer le gap 1 sur T. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du spectre? Bah, les bâtons vont venir se resserrer les uns sur les autres. Donc, j'augmente T. Automatiquement, 1 sur T diminue. Et puisque 1 sur T, c'est l'espace que j'ai entre deux harmoniques ici, plus T augmente, plus le gap diminue. Donc, je tire. Ouais, alors c'est pas. Je vais laisser comme ça. Plus je tire ma période ici, et plus je rapproche mes bâtons. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un signal non périodique? C'est un signal périodique de période infinie. En gros. D'accord? Donc un signal non périodique, c'est un signal périodique dont j'ai pris une période et je l'ai étiré à l'infini. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec les bâtons? Puisque j'ai étiré la période à l'infini, je suis venu coller tous les bâtons les uns contre les autres. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Non, pas un seul bâton. J'obtiens un truc qui est continu. C'est avec les mains ce que je raconte. Effectivement, si tu les colles tous les uns contre les autres, t'as, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est l'analogie pour dire on passe de quelque chose qui est discret à quelque chose qui est continu. Oui. Ce que tu as, si c'est une série de fois pour un seul périodique. Tout à fait. Oui. Pourquoi? T'as un signal qui est périodique. T'as un signal qui est périodique, il a une période, donc il a une fréquence fondamentale. Et quelles sont les fréquences qu'il contient? C'est que des multiples de la fréquence fondamentale. D'accord? Pour un signal qui n'est pas périodique, tu n'as pas de fréquence fondamentale. Donc tu n'as pas cette histoire de période du fondamental. Donc tu les as toutes. Comment on fait? Ok, je note la question. Oui. Les bâtons, ici, ils correspondent à l'amplitude du CR. D'accord? Là, j'ai C0, là, j'ai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Est-ce que je représente ici, c'est le module? Oui, mais si tu fais une transfert de Fourier à la série périodique, tu retombes sur la série de Fourier. Mais tu retombes sur la série de Fourier. Il y avait une autre question, j'ai vu une autre main se lever. Non? Alors bon, la question, comment on fait du sens avec cette transfert de Fourier? Alors, laquelle on va regarder? Allez, on va regarder notre chirp, même si je l'aime pas trop. Ouais. Alors, là, ce que je vous montre, en fait, on a... un paquet de trucs qui sont dus au fait que ce qu'on calcule, c'est un signal qui est numérique. D'accord? Moi, enfin, j'essaie de vous faire passer ça comme des signaux qui sont continus, mais là, on a des problèmes du fait que le signal est numérique. Dans l'idée, qu'est-ce qu'on a ici? On a un sinus dont la fréquence diminue. D'accord? Donc, on a dans la fréquence augmente, pardon, la période diminue. Donc là, on a un sinus dont la fréquence ici, elle est aux alentours de 0,10 Hz. Et ici, elle est autour de 0,50 Hz. Et toutes les fréquences entre 0,10 et 0,50, elles sont censées être contenues dans ce signal. Donc quand je regarde la transfert de Fourier, de ce truc-là, qu'est-ce que j'aimerais voir? En gros, j'aimerais voir ça. Là, je suis à 0,10 Hz. Là, je suis à 0,50 Hz. Ce que j'aimerais voir ici, c'est quelque chose comme ça, tout à fait. Et puis pareil de l'autre côté, parce que... mon signal étant réel, le module de la transfert de Fourier est pair. Donc en théorie, j'aimerais voir ça. En pratique, c'est pas tout à fait ce que j'obtiens. Et ça, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais c'est parce que là, le signal qu'on calcule, il est numérique, il est fini, et du coup, ça nous. Un peu cette intuition ici.
Je vais essayer d'en donner un autre et je réponds à ta question. Ouais, on va prendre le Pulse. Pourquoi pas? Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je regarde ce signal, je regarde sa transmission de Fourier. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que globalement, dans ce signal, on a les fréquences entre allez, 0,1 et 0,25 Hz. Et que globalement, la fréquence dominante de signal, c'est 0,18 Hz. Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Oui. Tout. Oui. Tout à fait. Et puisque on fait varier toutes les fréquences, on est dans un contexte qui est continu, donc on est intégral. Ouais. En théorie, on a toutes les fréquences. Ouais, mais en théorie, tu les as toutes. C'est juste que pour toutes les fréquences sauf les deux en question, bah, tu as une contribution qui est zéro. Ouais, mais tu as une contribution qui peut être zéro. C'est pas parce que tu peux regarder sur toutes les fréquences que ça veut dire que toutes les fréquences ont une contribution. Et ouais. Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Oui. La série de Fourier. Vous avez un signal qui est périodique. D'accord? Donc il a une période, donc il a une fréquence qui est fondamentale. Et ce signal, les fréquences qui le composent, ce sont que des multiples de la fréquence fondamentale. D'accord? Pour la transmission de Fourier, cette restriction n'existe plus. Ton signal, il n'est pas périodique, ça veut dire que tu peux avoir potentiellement toutes les fréquences et tu n'as pas forcément besoin d'avoir un multiple de la fréquence fondamentale. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça clarifie un peu des choses quand même ou pas? Ouais. Ok. En vrai, s'il y a besoin de refaire 2 heures d'ici la fin de la semaine, moi je peux refaire 2 heures d'ici la fin de la semaine. Alors, j'ai dit que le but n'était pas de refaire le cours, c'est un peu ce que je suis en train de faire quand même. Mais disons que vu la somme de questions et le fait qu'on est toujours au point numéro 1, s'il y a besoin de refaire 2 heures. On peut refaire de tout. C'est le seul créneau que vous avez? Alors ça sous-entend quand même que l'amphi doit être libre. Donc si l'amphi 4 est libre demain matin, on peut refaire 2 heures entre 10 et 12. Demain 10-12? Il y a cours? L'amphi 1 est libre? Ouais, bah, il me faut un tableau quand même. Hein. Donc, ouais, j'aime bien avoir un gros tableau et pouvoir projeter en même temps. Donc bon, je vais passer voir Pedro après et on va voir s'il y a moyen de replanifier 2 heures. C'est quoi un exercice type? Ben, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. C'est un peu compliqué en fait, parce que pour le faire à la main, en fait, les seuls trucs que j'attends de vous, que vous puissiez refaire à la main, c'est tout ce qu'on a fait dans le cours, à savoir calculer la transmission de Fourier d'une porte, calculer l'autocorrélation ou la convolution d'une porte avec elle-même. Donc c'est des trucs qu'on a fait dans le cours. Ouais. Ouais.
Ouais, ok. Ouais, ok, bah, je vais passer voir Pedro et on va voir si on peut. Oui. Alors, j'entends absolument rien de ce que tu racontes. Concrètement, à quoi ça sert? C'est une autre représentation de ton signal. C'est ton signal, soit tu le regardes sous sa forme temporelle comme ça, d'accord? Donc comme quelque chose qui évolue, en l'occurrence ici, au cours du temps, soit tu le regardes comme des fréquences. C'est exactement comme dire, tu as quelque chose, tu le regardes soit de face, soit de côté. Tu regardes toujours le même objet, mais tu n'as juste pas le même point de vue. Maintenant, en pratique, à quoi ça sert la transformée de Fourier? La liste est tellement longue que si je commence maintenant, on en a pour 3 heures. Mais je vais te donner un petit exemple. Bon, on l'a fait, donc c'est cool. J'ai juste à aller le chercher. On prend l'histoire de la note de piano. D'accord? On prend cette histoire de note de piano. Un signal. Ok? Il est échantillonné à 44,1 kHz, ce qui veut dire que pour une seconde, j'ai 44 100 points et j'ai 3 secondes de signal. Donc en gros, si je le stocke comme étant des points correspondant à l'amplitude en fonction du temps, j'ai 120 000 points. Ok? C'est un signal stéréo, donc j'ai 240 000 points à stocker. J'ai une certaine précision de stockage. On va dire que je les stocke sur 16 bits, donc j'ai besoin de 16 bits par point et je mets 240 000. Je te laisse faire le calcul de ce que ça pèse. D'accord? Maintenant, ce truc-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer sa transformée de Fourier. Je calcule la transformée de Fourier de ces choses-là, ça me donne ce résultat-là. D'accord? Si je zoome un petit peu, voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment calculer la transformée de Fourier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un truc qui est presque des bâtons. Pourquoi? Parce que cette chose-là, c'est presque périodique. D'accord? C'est une note, c'est un son. J'aimerais dire que c'est parfaitement périodique et que du coup je peux faire une décomposition série de Fourier. Il s'avère que c'est pas tout à fait périodique. Ça se voit. On a une répétition de motif, mais ce n'est pas strictement la même. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule une transformée de Fourier. J'obtiens ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ce premier pic, c'est la fréquence fondamentale de la note. La fréquence de ce pic-là, c'est deux fois la fréquence de celle-là. La fréquence de ce pic-là, c'est trois fois celle-là. Celui-là, c'est quatre fois, etc., etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce signal, je l'ai décomposé en la fréquence fondamentale et les différentes harmoniques. D'accord? Et je vois que l'amplitude des harmoniques n'est pas forcément la même. D'accord? Là, en l'occurrence, l'amplitude du deuxième harmonique, est deux fois plus grande que l'amplitude du troisième harmonique. Peu importe. Le fait est que ces différentes amplitudes, c'est ce qui donne le ton de la note. J'ai pas tout à fait fini pour l'expliquer. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire soit mon signal, je stocke ces points explicitement comme une fonction du temps, soit qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt stocker l'amplitude des différentes harmoniques, d'accord? Et puis, le jour où je veux rejouer mon signal, étant donné ce truc-là, je recalcule la transformée de Fourier, je calcule la transformée de Fourier inverse, et ça me redonne cette chose-là. D'accord? Là, je viens détecter les différents pics. Je viens stocker la fréquence fondamentale et l'amplitude des 20 premières harmoniques. Et à partir de ça, je peux régénérer un signal qui va être simplifié. D'accord? Parce que je n'ai pas stocké toute l'information. Mais toujours est-il que à partir de la fréquence, le nombre d'harmoniques et l'amplitude de ces 20 harmoniques, bon, c'est des nombres complexes, donc j'ai, on va dire, 43 points à stocker, je suis capable de reconstruire ça. Ce truc-là, si je le joue, merde, il est où?
Ouais, je l'ai perdu. Si je le joue, ça me donne ça. Alors, je suis pas tout à fait convaincu que là, au moment où je fais l'enregistrement, j'ai pas des histoires qui se passent et qui me dégradent le son. Mais toujours est-il que 240 000 points, 43 points. Bah parce que c'est la définition du fondamental. Le fondamental, c'est 1 sur t. Le deuxième harmonique, c'est 2 sur t. Le troisième harmonique, c'est 3 sur t. Le quatrième, c'est 4 sur t, etc., etc. Donc le tout premier pic que je récupère, bah, c'est le fondamental. Ouais. Oui. Ouais. On a forcément fait une approximation, évidemment. En fait, ce que tu reconstruis, c'est une série de Fourier, ici. Non, ce que tu reconstruis, le signal, tu le reconstruis par la formule des séries de Fourier. Parce que forcément, tu as stocké un truc qui est discret. Non, on ne fait pas une transformée de Fourier inverse, on fait une série de Fourier inverse, effectivement. Ouais. Oui. Ça va pour ça? Ouais, ok, on termine échantillonnage. On fait un petit point sur l'échantillonnage. Donc le but de l'échantillonnage, c'est de rendre fini un signal qui était potentiellement continu, donc infini, donc instockable sur une machine. Donc le but de l'échantillonnage, c'est on a un signal, on prélève des points. De manière à ce qu'on garde l'information contenue dans le signal. Oui. Ouais. Ah oui, ok, c'était ta question. L'intérêt de la conversion logique numérique versus garder toute la TF. En pratique, un signal continu, transfert de Fourier continue. Donc, tu ne peux pas stocker la transfert de Fourier. Puisqu'elle est continue, tu es obligé de la discrétiser. D'accord? Donc tu ne peux pas garder toute la, tu peux pas garder toute la transformée de Fourier. Et c'est même pire que ça, parce que là, je n'ai plus la transformée de Fourier d'un signal qui est sur mon PC. Donc il a déjà été numérisé. Donc en fait, ce que je calcule ici, c'est des transformées de Fourier discrètes. Ok, donc la question de l'échantillonnage, c'est comment sélectionner ces points de manière à ne pas perdre d'informations. Bien évidemment. J'essaye d'éviter le cas où je ferais cette chose-là. Où je ne prendrais pas 7 points pour restituer les variations du signal. Et puis tant qu'à faire, j'ai aussi envie d'éviter ce cas-là. Non, non, là je suis sur l'échantillonnage. Je cherche à prélever des points. Et je cherche à prélever des points de manière intelligente. Oui. Non, on fait sur le signal à l'origine. Parce que c'est ce que. Ça, c'est ce que tu as en sortie de capteur. D'accord? Par exemple, oui, tout à fait. Si on veut faire de la compression, c'est ce qu'on fait, effectivement. Alors, pas uniquement pour la compression, mais c'est utilisé pour faire de la compression.
Oui, il est quand même discret. Bien sûr, tout à fait. À partir du moment où le signal, tu peux le manipuler de manière numérique, c'est qu'il a forcément été discrétisé. Donc on a envie d'éviter ça, on a envie d'éviter le sous-échantillonnage, où on va perdre de l'information. Et puis on a envie d'éviter ça aussi, tant qu'à faire, où on ne perd pas d'information, on en stocke un peu trop. Donc la question, c'est comment définir de manière intelligente les points d'échantillonnage. Pour ça, on a besoin de... d'une quantité mathématique, on va dire, qui s'appelle le delta de Dirac. Donc on est toujours dans les formules fondamentales. Le delta de Dirac, c'est ce qu'on appelle une distribution et c'est défini comme ça. Ce delta de Dirac. De Dirac. Un physicien britannique. Père de la physique quantique. Juste de ça. Entre autres. Hein? Ouais, alors, qu'est-ce que c'est le delta de Dirac? C'est une quantité qui vaut 0 partout, sauf en 0 où elle vaut l'infini, et qui est malgré tout telle que la masse est égale à 1. Le delta de Dirac, c'est une quantité qui vaut 0 partout, sauf en 0 où elle est infinie, et qui est telle que sa masse est égale à 1. Sa masse, c'est son intégrale. C'est la définition, il n'y a rien à prouver, c'est défini comme ça. Mathématiquement, tu définis ce que tu veux. Enfin, la définition mathématique du delta de Dirac, c'est ça. C'est défini comme ça. C'est une définition, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle une distribution et pas une fonction. C'est quelque chose qui est plus général que les fonctions. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait comme une distribution de masse en proba, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, le fait est que c'est une définition. C'est voilà. Donc le delta de Dirac, il est défini comme ça. Et ça se représente graphiquement par une flèche dont la hauteur est égale à 1, égale à sa masse. Donc maintenant, si je veux représenter 2 delta, non, c'est une flèche, ça se rentre comme une flèche, c'est pas un vecteur. Oui, non, 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 parce que ici, il vaut plus l'infini. Mais voilà, tu représentes par rapport à sa masse. Donc si je veux représenter 2 fois le delta, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une flèche d'hauteur 2. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, si je fais 2 delta, bah, ça vaut toujours effectivement plus l'infini en 0 et 0 partout. Et l'intégrale de delta, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois l'intégrale de delta, donc c'est 2. Ouais, il a une intégrale de 2, il a une masse de 2. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre?
Ah si, la courbe elle a changé, là j'ai fait une flèche de hauteur 2. Par rapport à celle-là qui est de hauteur 1. On sort. Et là, alors c'est. Ok. Il y a un saut à faire dans l'abstraction parce que vous avez a priori jamais entendu parler de distribution. Et donc là, ce qui vous choque, c'est que je puisse dire que 2 fois quelque chose qui vaut l'infini, si j'en prends l'intégrale, je suis toujours sur quelque chose qui est fini. C'est ça? Comment, alors, je cherche une réponse un petit peu moins colorée que on s'en fout. Ouais. Oui. Mais c'est. Parce que là, tu raisonnes par rapport aux fonctions. Mais ça, c'est pas une fonction. C'est une distribution. C'est un truc qui est plus général que les fonctions. Donc, ce que tu connais sur les fonctions, ça ne s'applique pas forcément sur les distributions. Hein? C'est l'intégrale d'une distribution. C'est toujours la même chose. En fait, alors attends, comment est-ce que... Est-ce qu'on a vraiment envie de faire une digression? Alors... Non, c'est pas tant magique que ça, mais en fait, le Dirac, on peut le définir comme la limite d'une suite de fonctions. Je te le fais comme ça. Ça, c'est d'R1, d'accord? Ça, c'est d'R1. Ça, c'est d'R1. Là, tu peux définir une suite de fonctions comme ça. Et quand tu la fais converger, elle converge vers le Dirac. Et donc là, quel que soit le n que tu prends, tu vas avoir un truc qui va être comme ça, dont l'R va être égal à 1, qui va être 0 presque partout, sauf autour de 0. Et à la limite, tu obtiens le Dirac. Ok? Ouais? Ok, donc le Dirac, je peux le multiplier par une constante. Et puis, bah, mon Dirac, je peux le décaler, je peux le retarder, je peux l'avancer, on s'en fout. Au lieu de le poser en 0, je peux le poser en un point T0, ici. Et qu'est-ce que je représente là? Je représente delta de T moins T0. Ça vaut plus l'infini si T est égal à T0. Ça vaut 0 ailleurs. Et c'est tel que l'intégrale est égale à 1. D'accord? Ce Dirac, il a plusieurs propriétés à connaître. Donc on est toujours dans les formules fondamentales. Le premier, c'est que c'est l'élément neutre de la convolution. C'est la seule fonction telle que si vous la convoluez avec n'importe quelle fonction, il ne se passe rien. Dirac? Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce? Ouais. Oui, on y arrive. Donc, première propriété fondamentale du Dirac. Élément neutre de la convolution. Deux autres propriétés fondamentales. Je vais effacer, je vais faire un peu de place. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un signal, j'ai un Dirac en T0. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie mon signal par un Dirac en T0? Ils se reproduisent? C'est sale? Non. Non, ça ne décale pas. Hein?
Non, c'est une multiplication, c'est pas une convolution. Ouais, alors non, là, il y en a un seul. Ça garde la valeur du signal ici. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ben, on va l'écrire. Je suis en train de faire ça, je suis en train de multiplier mon signal par un Dirac en T0. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la masse, ben, puisque ça, ça vaut 0 partout sauf en T0, qu'est-ce qui se passe ici? Partout sauf en T0, le résultat il vaut 0. D'accord? Et puis en T0, qu'est-ce qui se passe? Ben, en T0, cette chose-là, ça vaut x de T0. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon Dirac, sa nouvelle masse, c'est x de T0. Si on veut, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mon Dirac qui était de masse 1, de, ma flèche qui était de hauteur 1, en T0, elle devient de hauteur x de T0. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu prélever la valeur du signal en T0. Je suis venu échantillonner la valeur du signal en T0. Ouais. De quoi? Mathématiquement, enfin, ça veut dire quoi? Ben, regarder en T0, enfin, là c'est mathématiquement, c'est regarder en T0, c'est multiplier ton signal par un Dirac en T0. Hein? Quand tu fais graphiquement, ouais, avec les mains, on est en train de dire, je suis venu regarder la valeur ici. Et puis deuxième truc, donc, multiplication d'un signal par un Dirac, c'est prélever la valeur du signal là où est posé le Dirac. Convolution d'un signal par un Dirac, ça revient à décaler le signal à l'endroit du Dirac. C'est un cas particulier de ce truc. Donc nous, je vais le refaire là. Nous, ce qu'on voulait, c'est prélever des points comme ça de manière, on va dire, espacée. On va leur donner un pas que je vais appeler TE. Donc je veux prélever un point tous les TE. Bah, pour prélever un point, il faut que je multiplie le signal par un Dirac en ce point-là. D'accord? Donc si je veux prélever en 0, je multiplie le signal par un Dirac en 0. Si je veux prélever en TE, je multiplie le signal par un Dirac en TE. Si je veux prélever en 2TE, je multiplie le signal par un Dirac en 2TE. Donc ce truc-là, c'est ce que j'appelle mon signal échantillonné.
Moi, je veux prélever régulièrement tous les TE. Bah, qu'est-ce que je fais? Pour avoir celui-là, je multiplie mon signal par delta de T. Pour avoir celui-là, je multiplie mon signal par delta de T moins TE. Pour avoir celui-là, je multiplie mon signal par delta de T moins 2 TE, etc., etc. Tout ça pour dire que mon signal échantillonné, que j'ai représenté en bleu ici, pour avoir mon signal échantillonné, il faut que je multiplie mon signal de départ par des Dirac que je place partout où je veux prélever des points. Cette chose-là, je vais le renoter de manière compacte. Comme ceci. C'est ce que j'ai dessiné là. Et ça se note comme ça s'appelle un peigne de Dirac. Ouais, un peigne de Dirac. Eh ben ouais. Comment on détermine les TE, tu veux dire? Ouais. Bah ça, c'est le théorème de Shannon, donc j'y arrive et on va s'arrêter là-dessus. Donc, mathématiquement, échantillonner un signal, c'est faire le produit du signal par la fonction d'échantillonnage qui s'appelle un peigne de Dirac. Il est égal à la somme des... Là je réécris. XE de T, c'est égal à X de T fois le peigne de Dirac. Et maintenant, la question, c'est comment déterminer un TE qui va bien. Comment est-ce qu'on détermine la période qui va bien? On calcule la transformée de Fourier de cette chose-là, on déroule le calcul et on se rend compte que pour que les choses se passent bien, il faut que 1 sur TE soit plus grand que 2 fois la fréquence maximale du signal. Si le signal a une fréquence maximale, donc si le signal est borné en fréquence, alors on échantillonne sans perte à partir du moment où la fréquence d'échantillonnage est au moins 2 fois la fréquence max du signal. Si le signal n'a pas de fréquence max, alors peu importe comment on va l'échantillonner, on va avoir de la perte. Et cette perte, ça se traduit par de l'aliasing. Ouais. Bon, on l'a démontré dans le cours. Ben voilà, on a fait la démo dans le cours. Hein? On a fait la démonstration de ce truc-là. Ah oui, on a fait un exemple, si tu veux. On essayait de déterminer est-ce que ça c'était bien ou pas. On essayait de déterminer à l'œil, en gros, est-ce que ça marchait ou pas. Et en fait, en déroulant un peu le truc, on arrive au résultat que si le théorème de Shannon est vérifié, alors tu peux retrouver ton signal bleu comme une combinaison de sinus cardinaux. Là, le signal rouge que tu reconstruis, il n'est pas égal au signal bleu. Ça veut dire que Shannon n'est pas vérifié. Par contre, si je prends un peu plus de points,
le signal rouge que je reconstruis, il est bien égal au signal bleu, et là, le théorème de Shannon est vérifié. Et là, dans un cas comme ça, ce que je reconstruis, c'est pas le signal de départ, le théorème de Shannon n'est pas vérifié, j'ai de la liaison. Non, le théorème de Shannon, ah ben on n'y voit rien, oui, effectivement, c'est complètement con ce que je viens de faire. Le théorème de Shannon, il te donne une condition pour que l'échantillonnage se fasse sans perte. Ça veut dire que tu peux reconstruire le signal continu à partir des échantillons. Ouais, oui, tout à fait. Bon, j'espère que c'était quand même utile. Je vais aller voir Pedro, on va essayer de recaser 2 heures, soit demain, soit jeudi. Dans cette optique, je vais prendre en photo les questions.